J'ai l'honneur de vous présenter notre premier compétiteur, Jérémy Birnbaum. C'est lui, Jérémy? Il est haut comme trois pommes à genoux. On t'aime, Trevor. Tais-toi, maman. Et son adversaire, Marco Diaz. En voilà un qui a le bras long. Hé, hey, attends, il a un bras monstrueux, c'est quand même pas juste. Ouais, mais c'est trop génial. Point à Diaz. On dirait que tes cours particuliers ne t'ont pas beaucoup servi, Jérémy. Il est battu. Maintenant, le coup de grâce. Quoi? C'est ce que tu veux depuis toujours. Les chatouillés, châtiment suprême. Non, non, pas les chatouillés. Non, je suis hyper chatouilleux. Hé, hey, attends une seconde. Tout ce que je voulais, c'était gagner ce tournoi pour qu'il ne se moque pas de moi. Si tu es trop faible pour le faire toi-même, alors je vais m'en charger. Star avait vu clair dans ton jeu. Tu as une très mauvaise influence. Et toi, tu es franchement pathétique. Point à Diaz. Star, tu peux me rendre mon bras maintenant? Star! Je t'en prie, réveille-toi! Arrête de te mettre des gifles tout seul. Réveille-toi, je t'en prie. Mais c'est plutôt ça. Oh, merci, c'est sympa. Non, sur Star. Oh, oui. Star. Retournons le bras Cassius Normal Rhino. Retournons le bras Cassius Normal Rhino. Je pourrais jouer à ça toute la journée. Non, il faut qu'il tienne un peu en place. Hein? Débarrasseras pas de moi. Je fais partie de toi à présent. Tu peux toujours tenter de supprimer les symptômes. Je continuerai à vivre en toi comme un virus. Comment est-ce que tu te sens? Mon bras! Mon joli bras à moi est redevenu comme avant. Oh, il est complètement cassé. Un bras cassé? Alors je crois que la victoire est à moi. Coup de poing américain, carrément. Pff, ouais, mais il est en or. Ce comportement est inacceptable. Vous jetez la honte et le déshonneur sur ce noble sport. C'est une bien triste journée pour tous les dojos du monde entier. Oh, bravo, mon petit chou à la crème, bravo. Dommage qu'il ne t'ait pas mis au tapis. Oh. Quel ingrat.